Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le 7ème épisode du Let's Play sur Resident Evil Village. C'est parti! C'est parti, c'est parti! On va aller chercher Heisenberg. On va essayer de rentrer dans son usine. En espérant pas trop galérer. En espérant que ça se passe bien, surtout. Oui! Je n'imaginais pas que tu survivrais à Donna et Moreau, mais je suppose que tu en as vu d'autres en Amérique, n'est-ce pas? Usine Je t'aime bien. J'aimerais discuter avec toi de Rose et de Miranda. Allez, entre! Ne t'en Pourquoi fais faire pas. Miranda? Ce n'est pas un piège. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu prépares? Oui, c'est pas un piège, bien sûr. Et pas à moi. Putain, des tanks et tout. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Y'a rien à fouiller ici? Pas un petit, une petite chèvre, petit quelque chose là? Non. J'ai cru que c'était du loot. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une chèvre là qui traîne dans le coin là. Croyez pas? Franchement, je suis développeur du jeu, je mets une chèvre, hein. En hauteur. Qu'est-ce que c'est? J'appuie sur la touche pour me retourner. J'ai le son fort dans mon casque. Pour plus d'immersion. Bon, mais tant pis. Fuck la chèvre. Youhou! Voilà. Putain, on peut y aller là. Ah, c'est fermé. Qu'est-ce qu'on peut voir? Pas grand-chose. Très bien. Est-ce que c'est encore un repère à Lican? Est-ce qu'on va encore tomber on va encore tomber sur des Licans ou est-ce que ça va être juste Heisenberg? Pitié. On a marre des Licans alors qu'on a explosé leur chef dans l'épisode d'avant. Il s'est fait exploser. Je me demande ce qu'il me réserve là. C'est tout? Putain, mais c'est quoi ça? Mia? La vérité fait mal. Laisse-moi deviner. Tu comptes? M'éliminer comme les autres, comme ça tu pourras sauver Rose, c'est ça. Je veux guérir ma fille. Écoute, tu es à côté de la plaque. Je suis en train de parler là. Arrête-moi ce boucan! Désolé. Assieds-toi. Écoute, Ethan, on te mène en bateau. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu crois que c'est un jeu? J'ai dit assis! La grognasse avec son gros cul. La folle avec sa poupée. Et ce monstre débile. Tu saisis pas? C'est un test. Pour voir si t'es assez fort pour rejoindre la famille de Miranda. J'ai aucune envie de faire partie de sa famille. J'étais comme toi, mais voilà. Et je suis le prochain, c'est ça? Tu me tues et tu prends ma place? Allez vous faire foutre! Et si tu savais comment je m'en tape de tes problèmes? Tout ce qui m'intéresse, c'est ma fille. Moi aussi. Tu as une idée du pouvoir que détient cette gamine? Même Miranda en a peur. Je te jure, du coup, c'est la dernière fois! Toi et moi, Ethan. Ensemble, on sauve Rose et on l'utilise pour réduire Miranda en miettes. Ma fille n'est pas une arme. Va chier! Mmh.
dernière chance. T'as pas envie de savoir ce qu'il y a dans ce trou? Je prends le risque. Tu l'auras voulu. Ah bah super cool. Moi je voulais pas prendre le risque hein. Moi je voulais pas tous ces problèmes. Un cul-de-sac. Mais non, y a pas de cul-de-sac ici. Voilà. C'était quoi cette horreur? Je sais pas. J'ai plus de grenades. Ah putain, j'ai 5 bâtons de dynamite, ça peut être pas mal. J'ai 2 grenades. Comment je change? Ah. Ok. J'ai 2 grenades si jamais. J'ai des mines. Je pense qu'on peut lui faire mal. Je pense qu'on peut vraiment lui faire mal. Ok. Si jamais il tombe dessus, boum, boum, boum. On va forcément l'affronter. Ils l'ont pas mis ici pour rien. À mon avis, on va y avoir droit. C'est bien, récupérer de la furaille comme ça, c'est cool. Allez. Ça sent pas bon cette histoire. Mais d'où il prend pas les balles de pompe là? Monsieur. Ok, très bien. Faut que je me fasse aspirer par le. Par la pince. Ah non. J'ai encore de la force. Du coup je remonte. À 100% je vais avoir le méchant là. À l'aide. Bonk. Bonk la tête. Putain, je suis où là? Oula. Il faut que je remonte. Ah ouais. Sacrée usine quand même hein. Cache bien son jeu parce que vu de dehors on voit pas tout ça. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Hey buddy, qu'est-ce que tu fais là mec? Ça va ou quoi? Ça va bien? Oh oui. Est-ce que je peux faire des trucs avec la cuisine? Oh, il me manque juste un poisson. Oh, ça dégoûte. Rien faire. J'ai du nouveau en stock. Waouh, ça vaut 20 000. Vous vous séparez de cela? Non, 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 je suis heureux de vous en débarrasser. C'est quoi ce shotgun? Je l'avais pas. En fait, il y avait tellement d'armes en fait que je suis resté aux armes de base. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave en soi. Ça me va très bien. Bon voilà, j'ai amélioré un petit peu. Tranquille. Merci de votre visite. Eh ben, y a pas de quoi. Merci à vous. C'est par là. Ah, y a un plan. Ok.
Bonjour. Ça sent pas bon cette histoire. C'est sûrement ce qui verrouille la porte, ça a l'air facilement destruit. Vous me prenez pour qui? Putain, mais t'es résistant, mon pote. Ok, t'as un casque, mais quand même. Ok. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de courant. Évidemment. Musique qui tourne plein gaz, mais il n'y a pas assez de courant pour mon truc à moi. Bien sûr. Je vais vous croire. Et le nombre de balles qu'il leur faut. Oh, ils m'ont donné une grenade. Trop gentil à vous. Il fallait pas. Je vais exploser vos boss en fait. Ils me connaissent pas en fait. Ah. J'ai pas ce qu'il faut, on est d'accord. Manivelle. Non, j'ai rien. Ça représente quoi? Ah, ça représente quoi? On s'est compris. Ça représente qui surtout? On se calme. Quoi? Oh, mais il manque plein de trucs en fait. Terrible. C'est verrouillé. À terre! Ils tombent jamais, les ennemis! Oula! On m'a raté! What? J'aurais peut-être dû économiser mes balles de pompe, je suis peut-être un petit peu idiot là. Coucou! Ils s'en fichent de moi. Mais il s'en fiche. Petit crochet. Oula. Quoi? Ah. J'étais là, mais attendez, mais y'a rien du tout là-dedans. C'est une arnaque. Ouh, ça sent pas bon cette histoire. Ouh, ça sent pas bon. Oh non, ça sent pas bon du tout. J'ai pas envie. Oh là là, là j'ai pas envie là. Ah. Bah, j'ai pas le choix. Ça va être terrible. Optimisation. Je peux me faire des grenades. Let's go. On va pas se priver. On va pas se priver de grenades. Je le sens pas. J'ai perdu une mine, je suis dégoûté.
Il disparaît du mauvais côté, ce connard. Ah! Ah, je me suis coincé tout seul. Ah! Ah! Dieu pitié! Passez ici! Sur la mine! Putain, mon plan foiré, je suis deg! On se calme. À la boîte tout de suite. Mais pourquoi elle a pas pété la deuxième mine? Ah, je suis coincé. C'est-tu? Bon, j'ai gâché toutes mes mines. Pour un boss de merde. C'est bon, je peux en créer, c'est bon. Je peux en créer une. J'ai un backup. Ah, du coup, j'ai eu le moule. Est-ce que je peux activer ça? Non, il n'y a pas assez de courant. Alors, le moule. Ça me donnait quoi? Ah oui. Ça va faire un logo. Cool. Ça semble utile. Ah bah je pense, oui. Bonjour à tous. Petit coquin. Par contre, ça va en fait, tu te prends des balles, mais ça fait comme si t'avais pas mal en fait. Un petit peu abusé. Vous êtes un ennemi de base. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Quoi? La clé du cheval, je l'ai pas. La clé du cheval. Ah. Oh. Mais c'est là où il va y avoir le boss, là. Ça me paraît quand même d'être une zone de combat quand même. Hein. On peut dire tout ce qu'on veut, mais là, à mon avis. Je pense qu'à mon avis, là, ça va être sympa. C'est comme tu veux, ça. Mais. Il s'est pris une balle de pompe, hein. Il s'est pris une balle de pompe, il a rien eu. Vous visez le corps, c'est ça? Comme les noobs. J'ai compris, ça dégoûte. On plante, on taillade, on plante. Voilà. Allez, donne-moi des soins. On va prendre des balles de pompe. C'est pas fini? Oh mais genre il y a eu ça là. Oh ça dégoûte. Bah viens frère. Michel. Est-ce que je peux le détruire ça? Ah.
Ah, ok. Ouais, mais ça sert à rien. Ok. En fait, ça sert à rien, ça sert juste à me faire perdre des balles. Bon alors, il est où le vrai combat là? Oula. C'est vrai, tu veux pas. Merde. Ça va mal finir cette histoire. I'm ready. Oula. 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 Oh putain, je reviens là. Où il se décongèle? Je me tire. Ouh, ça sent pas. Mais attendez, mais je peux le péter ce mur là. Je vais devoir craquer un bâton de dynamite là, vraiment. Allez, pour le beau jeu. Yo. Ah mais il fallait que je le fasse en plus. Genre c'était obligé. Ah bah oui. Ah, super. Mais il manque une pièce, bah oui. Ouh, ça m'énerve de misclic sur ça à chaque fois là. Bah. Ah, c'était un c'est un trésor ou un truc cylindrique? Bah. Il manque une pièce. Mais il manque un cylindre, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Il y a encore un chemin ici. On fout le tout. On fout le tout. Il y a des gars partout là qui pendent. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet endroit? Secours! Ouvre la porte. Combattant mécanique, soldat. J'ai utilisé le cadavre d'un homme adulte. J'ai retiré le cœur et implanté le cadou. J'ai réussi à stimuler les muscles via des impulsions électriques. Aucune capacité cognitive élevée à cause de la mort cérébrale. N'agit que par instinct de destruction. Alors, j'ai équipé sa boîte crânienne d'un casque de contrôle. Les électrodes confirment que les ondes cérébrales sont stables. Expérience. Combat contre des licans, sujet démonté et dévoré en moins de 3 minutes. A des difficultés à détruire et à tuer. J'ai remplacé un avant-bras par une perceuse. La puissance n'est pas suffisante pour être efficace. Peut-être qu'il me faut des corps encore vivants. J'ai implanté le réacteur cadou dans le thorax. La puissance a largement augmenté. Expérience. Combat contre des licans. 3 licans tués en 1 minute. De bons résultats, mais quelques problèmes avec la solidité du réacteur. Peut arrêter de fonctionner si son réacteur est détruit. Donc ça, la dernière phrase là, très important, très important. Il faut détruire le réacteur si jamais on le croise. Chose qui va arriver très certainement. Genre là, on me demande de repasser ici, là. Bah tiens. On va courir, hein. Mais c'était sûr! Tu te calmes. Ah oui, c'est lui son réacteur. Allez. Putain, mais la vache. En fait, on parlait de ce type-là. Moi, je pensais qu'on pourrait aller du gros qu'on avait vu là, avec cette espèce de délice là. Pas du tout. Pas du tout.
Où est-ce qu'elle était la porte Je sais plus. L'autre porte. C'est la porte avec le cheval, je crois. Ah mais non, ça c'est pas la même chose. Ok, faut que je retourne ici. Non, c'était pas là. Oh là, je suis perdu. C'était là. Non, c'était pas là. Oh là là, mais ils m'ont perdu là. Mais attendez, je viens d'où là? Si, c'est là. T'es là. Allez. Ah. Malaise. Oh, Ethan. Quelle déception. Oh. Je pensais qu'on pourrait unir nos forces contre cette salope de Miranda. Il se cache le truc. Je suis vraiment déçu. Vas-y. Elle m'a forcé. Nous a forcé. Au secours. Elle m'a forcé. Peux-tu seulement comprendre cette humiliation? Mais il fait chier à se cacher là, c'est de la triche. En fait, faut dodge ses attaques. Ah, j'ai plus de balles de poupée. Contrairement à mes frères et sœurs. Ce que je veux, c'est mon spirit. J'ai donc besoin de puissance. Assez de puissance pour pouvoir l'anéantir. Mais tu parles trop fort. Tu parles trop fort dans mon casque. Tout ceci est le fruit de ma puissance. Les forts écrasent les faibles. Ainsi va le monde. Tu n'aurais jamais dû me... Ouais, ouais, attends deux secondes, hein. Oh, tu parles trop fort, mec. Ethan. Quel taré. Par contre, là, si jamais j'ai encore un ennemi, là... Ah. On en parlait, justement. On en parlait. Ça aurait été bien que j'ai des balles de pompe. Dodge this. Des grenades aveuglantes. Oh, ça me ferait chier de gaspiller des grenades pour ce type là. Oh, il manque de la ferraille. Putain, je vais refaire du soin tant que j'y suis. Après, j'ai plus de plantes. C'est mon dernier soin. Après, c'est fini. C'est fini. What the fuck? Ah. Bon. Je m'en vais. Ah ouais, mais j'ai plus de balles. Il est où? Cucu? Oula, il y a du monde. Oula, salut les gars. Ouais, mais j'ai plus de balles aussi, là. Vous êtes chiant, vous. Ouais, ouais. Merde, j'ai où, là? Oh, pis. J'ai plus de balles. Ben, on se casse. T'en fous. Oh non, mais non! On va aller voir le dodge. Ah, j'ai plus de balles, mec! Vite! Oh, il va. Ah! Ah! Pitié!
Pitié! Vite! Pitié! Hey. Ouh. Ouh. T'es bon, c'est fini? Putain, ils sont horribles ces ennemis là. C'est des sacs à PV en plus quoi, c'est un cauchemar. Quoi? J'ai plus de balles de rien là. On a pas le temps. Là, on a pas le temps, les gars. Ah, toi encore ? C'est encore lui. Terrible. Curé. C'est bon, je peux avoir une petite pause ou... Putain, mais regardez tout ça. Je peux revenir en arrière ? Ah, mais ça a fermé la porte. Un petit peu quand même. Regardez ça, il y a la ferraille partout. Pour pouvoir se faire des munitions. Ah. Des munitions, mais je... Putain, j'ai plus de balles. J'ai plus de balles de rien. C'est... Quel cauchemar. Même les balles de pistolet, j'en ai plus. Quelle tristesse. À l'aide. C'est fini pour moi. C'est tout, j'ai fini. Je m'en vais. Oh non. Il manque le B1. Oh mais monsieur, bonjour. Il est tranquille lui. Puis-je choisir quelque chose pour vous? Écoute. J'ai du nouveau en stock. J'ai 25 000. Oh ça me fait chier d'acheter des balles chez lui là. Mais j'ai pas le choix en fait. Oh ça va, ça... Oh ça va. Voilà par contre mec. Écoute, je vais te prendre 10 balles de pompe. Je te prends du soin. Je t'en prends deux même. Je prends 4. Ça ira. Ah mais attends, mais je peux te vendre des trucs. Putain mais ça régale. Ça régale. Ça régale. Quelques bricoles. Je vois. Est-ce que t'as des grenades en stock? T'as pas de grenade. Mais écoute, je vais te prendre... Allez, je te prends 3 mines en plus. Je te reprends des balles. Ah oui, c'est normal que vous soyez intéressé par cela. Voilà. Merci de votre visite. Allez. Par là. Ça m'a l'air quand même très grand, hein. Il y a encore du chemin. Putain, mais regardez-moi tout ça, là. Eh ben. Allez. C'est une grande porte, ça. C'est un mur. C'est un mur, ça. Là, il prend l'échelle, alors que d'habitude, il saute. Bien joué à toi. Allez. Deux chemins. Non. Pour Miranda, nous ne sommes que des enfants. Oh, c'est pas qu'elle nous aime. Ça, non. Elle a perdu son humanité depuis longtemps. Je dois l'anéantir. Arrêtez de me saouler avec tes histoires de famille. Ça va, mec? Il y a quelque chose au moins à la clé. Ah, j'ai envie de voir quand même ce qu'il y a là-bas.
Oh, ça valait le coup. Ça valait le coup. Putain, mais ça me donne. Jamais ça me donne des munitions de pistolet par contre. Trop chiant. Oh, je peux faire une grenade. Oh là là, très important ça. Bon, je prends. On maximise les grenades, hein, bien sûr. Ah! Ça creuse ici. Ça tape. Hein. Football. Allez. Couché. Eh oui. Un crochet. Merci beaucoup pour les crochets. Oh. Je peux jamais faire des munitions de pistolet. C'est relou. Alors où suis-je? Mur cassé là-bas. Oh, c'est le jackpot! Oh, c'est le jackpot! Maxi jackpot! Hop là! Des sous! Beaucoup de sous! Oula! Ça sent le boss, ça, non? Je pense que ça sent le boss. Mais... mais... tranquille. Un autre modèle ! Ah ! Là, on va quand même devoir sortir le lourd, là, je crois. Hey! Messieurs. Salut à toi. Lâche-moi. Non. Ah ouais, mais il triche, lui. Ah, c'est pas bien ça. Ah, je prends un sandwich. Ah, terrible. Oh, quel enfer. Oh non, tous mes plans tombent à l'eau. Vite, sur le pompe. Ok. Moins un. Petit. Ok. Ok. Ça, c'est à moi. Merci les gars. Voilà, j'ai pas le choix que de péter les grenades là.
Moi j'aurais pu juste courir. Mais je pense qu'il fallait les tuer. On est tranquille. Par contre j'espère qu'il n'y en a pas d'autres qui apparaissent. J'espère que le jeu est sympa. Comment j'arrête ça? Faut que je trouve un moyen de l'arrêter. Ah! Super. Vous êtes sûr que c'est pas ça? Ah. C'est cool. C'est pas comme s'il me restait genre 2 balles de pistolet. Oh. Oh. 1 balle. 1 balle pour clutch. Ça peut se faire. Ça va pas se rallumer, hein. Oh mon dieu. C'est terrifiant. Hop. Regardez le pompe. Fabriquer des munitions. Ah, je peux. Ah oui, je peux. Pistolet. Yes. Alors, projet d'amélioration du soldat. Nom de code, soldat jet. J'ai attaché un réacteur dorsal et des stabilisateurs à un soldat pour améliorer sa mobilité. Résultat, capacité de vol limitée, incapable de parcourir de longues distances. Mais peut survoler des terrains accidentés. Nom de code, soldat Panzer. J'ai ajouté un blindage en alliage d'aluminium à un soldat pour protéger son réacteur thoracique et la partie exposée de sa chair. Résultat, invincible contre les armes à feu ordinaires. L'armure a tendance à se détacher en cas de choc important. Il faut poursuivre le développement. D'accord. Carte de l'usine. Bah super! De toute façon, on va devoir affronter un mec qui est insensible, invincible à mes armes. Super. Je sens qu'on y arrive. Attendez. Hop. Alors. Je vous vois. Ah. On a le moule d'une boule. Oh. Merci. Merci beaucoup. Bon ben let's go. Let's go, let's go, let's go. Oh là, il y a du vent. Oh, je vais me faire aspirer. C'est bon. On a encore eu de la chance. Mais c'est pas passé loin. Tu l'as dit. Ça, c'est à moi. Oh, je l'avais pas vu. Non. Ah, je ne gaspillerai pas de balles pour cette chèvre. Je vous le dis. Bon, il est où Heisenberg là, hein? Ça fait une demi-heure qu'on le... Putain, faut que je saute.
malaise là, non? Ah non, faut que j'aille là. J'allais sauter moi. Miss Gouliga. J'ai envie de voir ce qu'il y a en bas. Mais là après je... c'est le vide là. Ah c'est un mur invisible, je peux pas. Ok. Bon. Bon, on saura pas. Allez, on se casse. On est revenu à la normale. On est tranquille ici. Bientôt, elle commencera sa cérémonie avec ta rose. Si ça se produit, c'en est fini. Pour ta fille et pour tout le village. Mais ne t'en fais pas. Je l'en empêcherai. J'utiliserai Rose pour tuer Miranda. Pauvre papa. Tu es le seul à ne pas voir le pouvoir de ton propre enfant. Mais la pauvre... De Rose ? Essaie un peu pour voir. Voilà. C'est quoi cette cage ? Bon, t'es où ? Allez, viens. Ah, ça continue. Ah ouais, mon gars. Bon, on est un petit peu plus haut que la dernière fois, mais... Mais tranquille. Ah mais non, je suis revenu là. Je suis revenu au marchand. C'est le marchand, ça. Ah ouais, c'est le marchand. C'est long. Ah, j'ai activé le B1. C'est pas du tout le marchand. Ah si. Ah mais il est dans un ascenseur, ok. Oh ouais. Non, oh, vous tombez bien. Je commençais justement à m'ennuyer. Alors. Donc ces merdes là. Pas besoin de ces merdes là. Ça devrait suffire. On est riche les amis. On va pouvoir acheter plein de munitions. Oh. On peut acheter la mallette. Ou alors on peut acheter ce shotgun. Attendez, 760 de puissance. Moi je... Ouais d'accord. Ne faites pas attention non. À moi. Non, non, certainement pas. Je vais acheter... J'espère que ceci vous sera... Le bâton dynamite. Je vais acheter la grosse mallette. Je vais acheter... Allez, je te prends encore deux autres bâtons de dynamite. Hop. Merci. Ça ira très bien. De votre visite. Oh, mais j'ai pas la clé. Il faut que j'aille faire le moule. Je voulais faire le moule. Terrible. Je peux choisir mon étage ou pas? C'était où? C'était au B4, je crois. Faut que je fasse plein de moules. Terrible. Ça va être si long à descendre tout en bas. Ça va, Boo. Enfin, il me semble que c'était là. Eh ! Quel est cet endroit ? Attendez, mais il manque des trucs. C'est sombre. Ben non. J'ai pas besoin d'ouvrir la porte du coup en haut. Où ça va mal finir cette histoire, je le sens les amis. Y a rien à prendre ici. Rien du tout. Ce n'est qu'un long couloir.
J'ai déjà fait ça. Oh non, encore lui. Ah, il saoule. Mais oui, j'ai déjà fait tout ça. Oh, terrible. Yo! On se casse. Monsieur le marchand, j'ai déjà fait tout ça. J'ai déjà fait. C'est pas le bon étage. C'est pas le bon étage. Mais il dort. Eh, hey, wake up, hein. Oh, je sais pas où c'est. Ça se trouve, ouais, c'est par là, mais. Ouais, mais c'est bon là. Dégage. Mais je suis revenu ici, c'est une blague? Ah ben là c'est la douille là. À l'aide. You, you. Monsieur le marchand. Monsieur le marchand. À l'aide. Elle est où la sortie putain? Je suis paumé dans cette usine, c'est un truc de fou. Ah, c'est toujours pas là. Mon dieu, au secours. Bon. On va prendre le temps de voir où est-ce que c'est. C'est là. Fonderie. C'est au 4B. Putain, j'y étais, quoi. C'est par là. Putain, je refais tout à l'envers. Mais putain, pas du tout. Oh, je vais m'énerver, les gars. Oh, je vais m'énerver. Je suis perdu. Attends, on est au moins 4. Gros, je suis au moins 4 là. Ah, c'était ici là, peut-être. Ah, mais j'ai pas la boule. Ah, mais c'est absolument pas ici. Oh là là, oh là là. J'ai pas le choix, faut que je repasse dans ce truc. Ah, j'ai pas le choix, ouais. Bon, on va courir, hein. Y'a pas le choix, hein. Salut mon pote. Salut mon pote. Est-ce que c'est le bon endroit? Je sais pas. Je pensais que je pouvais le dodge, mais je pouvais pas. Laisse-moi.
sont les escaliers? Je peux m'en paumer les gars. C'est un coche. Putain, tout ça pour faire un moule quoi. Ah c'est là. On n'est pas loin. Ah ils sont tous libérés. Oh tu m'emmerdes. Non, mais à un moment donné, faut prendre les dégâts, monsieur. S'en bat les couilles de moi. Monsieur. Eh, monsieur. Eh, monsieur. C'est gênant. Non, non, je suis derrière, monsieur. Vraiment, je suis... Eh, mais dis donc. Putain, quel enfer. Tout ça pour ce vieux moule tout pété là. Parce qu'après faut que je refasse le chemin. Pardon. J'ai commencé à m'énerver hein. Faire la boule, même si je suis pas sûr de retrouver cette boule, mais on verra. Hein. Allez, putain, faut que je retrouve l'ascenseur maintenant. Aïe, 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 terrible, 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 terrible. Bon, on va refaire par. On va faire le chemin inverse, hein, tant pis. Tant pis, tant pis. On va essayer de pas se prendre trop de monde. Je vais pas m'énerver les gars. Je vais pas m'énerver. C'est par là. Oh. C'est par là je crois. Hop. Esquive. Ah. Non. Ah. Tu me coinces. Tu me coinces. Je vais m'énerver. Tu me laisses. Laisse-moi passer. Let me. Merci. T'as fait tout ça pour mourir, hein, je vous le dis. Carrément, ouais. Ouais, ouais, ouais. Let's go. Ouais, ouais. Fuck. C'est le dernier chemin, je crois. Hop, hop. On y est presque. Là. Oh. Malaise. Malaise à bord là. Là c'est cringe. Là c'est maxi cringe les gars. Est-ce qu'il me one shot? Oh. Oh.
Est-ce que vous pensez que je le tue? La petite. Mais le gros, je l'ai pas tué là. J'ai tué le gros? Quoi? Oh. Quel enfer, les amis! Yo! C'est quoi, c'est au B1, c'est ça? Ça va, mon pote? Oula! Les cheveux. Ça vole! Ça vole, les cheveux, là! Ah! Ça y est, on a enfin réussi. Eh bien écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Hop. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut à tous.